c'est le temps de prendre soin de soi. Vous avez de la brunoise toupette? Ne vous inquiétez pas, je garde un œil sur vos enfants. The Babysitter est là! Vous n'avez pas un petit quelque chose à faire? Pardon? Vous avez dit? Ah! Si j'avais plusieurs activités pour les plus petits et les plus grands? Bien entendu! Vous savez, j'ai beaucoup d'imagination. Coucou! Est-ce que tu vas bien? Moi aussi, je vais très très bien. Et tu sais, une de mes chansons préférées que mon papa me chantait lorsque j'étais petite, c'est « Il était un petit navire ». Toi aussi, tu la connais? Alors, c'est cette chanson qu'on va chanter ensemble aujourd'hui. Eh bien, vous êtes déjà de retour! Et les parents, juste avant de quitter, avez-vous déjà essayé à la maison le jeu Zip? C'est pas très évident de faire du télétravail, mais j'ai pensé à une solution pour vous. Le but du jeu est très très simple. Il suffit tout simplement de trouver une autre façon de communiquer avec des gestes, sans toutefois ouvrir la bouche. Comme par exemple, dire non, dire oui, dire peut-être. Essayez-le à la maison. Vous allez voir, c'est un jeu que tout le monde trouve très, très amusant. Autant les grands que les petits. Et on trouve plein de façons de se communiquer sans parler. C'est déjà tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez aimé ça. Eh bien, tu en fais une drôle de tête. Ne t'inquiète pas. Tu le sais, je reviens tout le temps. À bientôt, les amis.